Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Mediana là. Bien, nous va pas perdre de temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Technicien déjà commencé travail sur route ça qui doit connecter en Savo ak Titrou de Nip. Travail ça yo qui lancé a rentré dans cadre promesse président République là. Jovenel Moïse te fait moun nan département Nip et spécialement habitant des communes yo. C'est une route président te fait promesse depuis 1er février 2020. Maintenant face à conjoncture politique pays d'Haïti, gens que nous connaissons là, pas bonne chance pour nous arriver à réaliser le travail à temps, gens que nous avons réalisé. Mais quand même, le président de la République, là, son excellence Jovenel Moïse, lui répond à la promesse qu'il a fait en Savo pour permettre, avant 300 ans, qui c'est en juillet 2021, il arriver à gagner un tronçon route de Petite Rivière à en Savo. Et c'est travail ça qui gagne presque une semaine depuis qu'il a démarré ici. Là. En pile travail, tant qu'au élargissement, acte terrassement déjà fait, selon délégué départemental Niplan, qui baille garantie avant longtemps, route là à Paris pour recevoir asphalte. Tout matériel est déjà sous place là, où est 12 heures de travail, gredé à travail, camion à travail, ingénieur sous chantier, travail que vous devez faire pour permettre que route ça en juillet pour les finir. Équipe qui doit permettre que route ça réalise avant 26 juillet 2021, tout déjà là. Et travail a déjà démarré. Jean-président, le président a demandé quelques jours de cela pour que le ministre des Travaux publics mette main rapide dans le travail là. Parce que le peuple compte ça qui est bon et le peuple a moun kap travail pour eux. Pour permettre moun en savoir fêter 300 l'année existence ville là dans plus bonnes conditions, travail ça yo qui lancé dans le mois avril là, si posé fini dans le mois juillet 2021. Pour ça va servir trois villes. L'a servi Miragouane, Payan avec Petite Rivière de Nip. C'est réseau ça qui va servir trois communes ça yo très bientôt parce que technicien là sous place là, il y a travail, il y a planté poteau, c'est réseau là n'a préparé là et puis pour que génératrice ça yo cap entrer en marche pour que alimenter trois communes ça que nous sommes cité là. Travail ça son travail que moi planifié ensemble avec directeur APN non qui c'est régional Jean-François côté que nous pas le montrer pays a que nous-mêmes, qui ça que nous sommes capables de faire avec propres ressources communautaires. Ressources APN qui, c'est pour nous, Miragouane que lié, nous voulons mettre au service de Miragouane. Nous voulons faire tout ça qui est possible nous, pour nous permettre que le matériel soit sécurisé avec finance, APN, la douane et l'autre secteur encore qui gagne dans le département NIP, tant que santé publique et autres, que nous avons mobilisé pour nous venir l'argent pour nous rendre espace ça sécurisé. 2017-2021, 4 années pour 4 années de travail. 4 années depuis le président Jovenel Moïse et toute équipe a travaillé pour changer les conditions de la vie des Haïtiens. Travail ça qui réalisé pendant 4 années, il n'y a plus loin si ce n'est pas de lever campé, mettre édifié, craser, briser, bloquer route et mauvais actes sur business particulier dans divers côtés dans le pays. Pour dernière année, celle tête ensemble. Bon Jean Chita parlé avec l'amour du pays a cap aider nous quelques dans ça nous t'ai perdu. Depuis nous là, c'est pour la première fois nous avons son merveille qui fait parce que la majorité président qui a passé en Haïti n'a pas fait action ça. Malgré dans la capitale pays à quelques autres côtés encore, il a voulu monter et dit président n'a pas fait rien. Mais à cause de ce qu'il fait pour mon nord-ouest. Moi-même, pas effectivement, je ne suis pas Borussia, mais c'est là que j'ai un petit bras d'homme, la kill qui est le premier jeune asphalte là. Donc, mais quand il y a la pfèl, je ne suis pas ça qui passe déjà, ça y est, même yo fait. Donc, c'est un réel plaisir pour nous. Je dis à nous féliciter premièrement, papa bon ciel l'acteur, qui voit ça pour nous. Donc, qui bon nous ça. Merci, président Jovenel Moïse. Desk et pour ce fait là, je ne peux pas j'aime ça dans un défilé. Pas de poko j'aime ça même. Ça me compte en pile. Deske moi ti bay ça. Si m'pas tel porte pour pas j'aime kawel. Mais président, son fait là. Si tout haïtien te mette tête ensemble, nous t'a bossé encore sous mandat là encore.
pour me dire ce qu'a fait là pour nous là. Parce que je ne dis pas là, poussière, t'es mandé tuer nous. Mon chanson tout, t'es humilié nous tout. Est-ce que même chanson, y'a de l'eau, y'a affaire, nous-mêmes, nous, pas gagné là tout. Bon, je dis là, c'est nous-mêmes qui râlons là. À cause du président Jojo. Non, ben nous pas pour nous, nous pas espérer, nous commencer, oui. Parce que nous avons fait ça dans l'air, parce que nous pas pour nous, nous pas pour jouer, ni qu'on y a nous jouer. Je me félicite, président, parce que nous sommes si naïfs. Avant de voir des personnes, nous descendons des conneries, bon, sauf qu'on a mis aussi pour des gonaïves à voir des pères. Et toi, mais moi, mon frère, parce que moi, je me félicite, président, parce que tout est pour toujours choisir de travail. Parce que je n'ai pas besoin encore, parce que depuis que je suis là pour travailler, je n'ai pas besoin encore. Le travail qu'a fait la belle, vive Jovenel Moïse, moi-même, Jovenel même. Bon, si tu es tout, tu n'as pas tout, non. Moi, mes jeunes, parce qu'ils font bel travail pour nous, tout président qui a vint toirer, pas de paix. Moi, mes jeunes, en pile. Et je vais bon respect. Route là, pour qu'on même, c'est qu'on y a un bon petit route, nous. Et bon, moi, mes jeunes, même. Oui, depuis 10 ans. Merci parce que nous sommes quoi, bon monde qui sont dans le temps, nous, bon monde qui sont black, nous, bon monde qui font misère, nous avons un pouvoir. Que nous te pouvons on va acheter l'élevé de votre prince Messie. Mais m'a dit nous aujourd'hui, après 4 ans et quelques jours, dans ce pays, bon mot qui est difficile en pile, qui est le changement, son mot fait mon peur, son mot fait mon souffrir. Et c'est bon ça te fait, moi-même personnellement, petit nous, petit entrailles nous sommes souffrés pendant 4 ans. Parce que ça n'a tête moi, côté nous te voyons, c'est dans le royaume de Lucifer, dans tout le monde, qui va le temps de parler par le changement. Construire route car pour gens pour savoir là c'est changement lieu. Mettez courant 24 sur 24 pour sortir en savoir là pour arriver à l'assemblée, c'est changement lieu. Construire l'hôpital au Fatma en bas la saline, c'est changement lieu. Prendre décision pour construire réseau électrique pour interconnecter commune Banodouest, si on voulait parler de BDN, Mamadopolis, Mont Saint-Nicolas, Jean Nadal, c'est changement lieu. Décider de construire mon chien, côté monde qui est là, c'est sur 4 pieds, marcher pour monter mon nom, c'est changement de vie. Changement ça, yo. Bon catégorie mon ici qui connaît c'est l'autre monde. Bon catégorie mon ici qui connaît l'autre monde, pas monde, qui va accepter changement ça. Yo. Mais nous devons voter, nous sommes des amis, nous ne pouvons pas une bataille à personne. Nous ne devons pas persécuter personne. Nous devons une bataille sous-développement, misère, mais une catégorie de monde. Qui croit, c'est l'autre monde. La réhabilitation centrale électrique doit avancer. Matériel électromécanique et puis tout tibinio déjà installé pour qu'on y arrête le travail électrique. Techniciens haïtiens et étrangers qui sont sous chantier, by garantie, et après mettre travail, non moi, mais qui venir là. La fin des travaux, c'est pour, disons, si tout se passe bien, pour la fin du mois d'avril, début du mois de mai. Et ensuite, le lancement de la phase de test. Centralisation centrale, il y a des possibilités pour le marché. Si vous voulez faire le marché en parallèle avec Gonaïve, le marché en parallèle avec Gonaïve. Si vous voulez faire le marché en parallèle avec la centrale de Saint-Marc, et Délugé, si Délugé est à réparer et tout, il y a des possibilités pour le marché en parallèle. Même genre tout, qui doit marcher en îlotage. Là, ça, on va l'obliger à sectionner. Et réseau, c'est-à-dire que ligne au départ, soit départ Gonaïve, départ Verrette, mais pour départ, lien court Verrette, petite rivière, bon, moi-même dans le temps, peut-être, ça fait quelques temps, peut-être, pour qu'il y ait d'autres bagages, c'est sûr, là, il y aura un courant, donc il y a augmenter la demande. Mais longtemps, son côté besoin pour la ligne, ça c'est besoin de 1.2 MW pour ligne, d'accord? Alors, donc, en petite rivière Verrette, lien court, toute zone, ça, au début, environ 1.2 MW. Là, par exemple, entre, si vous faites parallèle avec Saint-Marc, ou bien doit fournir tout 3 MW à 5 maximum. Vous comprenez? Comme ça, tout le monde doit s'y avec Gonaïve, ou bien fournir
mégawatts sur Gonaïve seulement. Dans ce cas, l'autre va bien, qui absorbe. Dépendamment de mon exploitation choisie, soit au marché en parallèle, soit au marché en îlotage. La chose, sauf que nous avons une équipe italienne, une dernière équipe italienne pour venir dans le jeu. C'est deux spécialistes de techniciens, il y a bien finalisé les travaux électriques et peut-être faire mise en marche centrale. Ministre TBTC Anader Joasiris bat bravo pour gros avancé. Il dit qu'il fait dans le cadre de travail réhabilitation centrale électrique d'Ouéa, une centrale qui doit permettre plusieurs communes dans le bas, la Tibonite, bénéficier courant. Moi là pour moi avancer mon travail, parce que si il y a longtemps à souffrir, il y a un coup. Et Saint-Marc, et même Gonaïve. Et période là puis après le vini, comment pour nous exploiter le maximum. Et certainement nous avons gagné longtemps et fin avril, premier mai travail est fini. Je dis là, je dis, il faut que un petit espace encore. C'est l'ONU, c'est exact. Et d'ici 15 mai à 20 mai, il y a fini le travail totalement. Et il y a mis les centrales en service et d'ici fin mois de mai. Et pour commencer à exploiter. Moi, je crois que Rivière Pays, qui a un gros monde dans le gouvernement, au moins fait nos attaques éliminées. Et ans, oui, il y a plus de 3 ans. C'est gymnastique pour Gonti Courant. Il y a un cours, Verrette, Mactou, et même Gonaïve, qu'on a cap souffri. Pas oublier, ça au baguette gaz pour le mettre. Et son paquet éléments à gagner. De là, on va parler tout de. Plus on va parler de. Centrale d'Ouéa qui c'est à l'eau qui fait le marché. Ministre TBTC a fini virer on ça dans centrale électrique Saint-Marc là dans l'idée pour fournir regarder comment la fonctionner et puis recevoir doléances avec information dans mes employés avec techniciens yo. À côté tout travail qui déjà réalisé dans pays là dans cadre mobilisation caravane changement nous pas oublier kirage drainage canal construction route agricole distribution semences engrais avec matériel agricole, moulin avec moissonneuse moderne, bloc production, crédit agricole, construction route dans 10 départements pays, Kaipam Cliré, construction caille dans département Grand-Anse, déploiement corps génie militaire dans zone qui frappe en bas catastrophe et puis dans construction route et spécialement dans nord-est et dans nord-ouest. À travers ministère agriculture, ressources naturelles et développement rural, administration président Jovenel Moïse là installer et puis réparer 35 systèmes pompage solaire dans Gonaïve, 4 dans le département nord-est, 3 systèmes pompage hybride dans le département nord-ouest, et puis 7 dans le département l'ouest, et spécialement dans la cité soleil à Croix des Bouquets. Toujours dans l'idée pour côté de l'eau sous terre, il y a 590 pompes 3 pouces qui vivent joindre la population. 497 dans le département centre, 93 dans le département sud, et puis 63 autres dans le département nord-est. Barrage Latanouyan, sous Grande Rivière d'Ino, tout le monde en état pour fonctionner après 39 années depuis le campé. Dans l'idée pour remembrer l'agriculture, sorti 2017 pour arriver décembre 2020, il y a 209 tracteurs agricoles qui vivent joindre planter. Parmi les matériels, il y a 160 qui distribuent dans le cadre de caravane changement entre 2017 et 2018. Et puis 45 lots distribués dans le mois de juin 2020. Dans la direction départementale agricole nord et nord-est. Dans le mois d'octobre 2020, OBVA a recevoir 3 tracteurs bois long, amphibie, pour acquérir drain, désilmé et salif faudré. Dans le mois de novembre 2020, le ministère de l'Agriculture distribue 20 motocultures par bloc production dans la Tibonite. Ne pas oublier, gros combat chef l'État a mené pour encourager les planteurs à mettre tête sur ensemble dans le bloc production. Ça a aidé. Mettez un bout dans le mini fondia pour entrer dans une agriculture à grande échelle qui a rapporté gros l'argent. Parmi notre action qui est posée pour rendre le secteur agricole la ville Pidjam, nous avons cité l'installation Banque nationale développement agricole qui pourrait permettre aux agriculteurs de jouer l'argent prêté sans pas besoin de le prendre pour y avoir. Dans le souci pour porter de l'eau en quantité et en qualité dans le robinet population, l'administration Jovenel Moïse là fait le secteur hydrique là tourner un gros pôle priorité. À côté de gros travail qu'a réalisé dans la ville provinciale, dis-le pas de payer un bout dans une plus gros chantier qui a gagné dans la zone métropolitaine. Ça qui parle côté, amélioration de façon environ 6 communes de qu'on recevoir de l'eau. Avant le programme de l'eau à assainissement Port-au-Prince, la production de l'eau pour nous dans la région métropolitaine est estimée à environ 190 000 m3 par jour. Toutefois,
quantité de l'eau dans 6 communes régions métropolitaines dans besoin pour servir chaque jour, environ 450 000 m3 par jour. Sous un qui varie entre 12 à 16 hectares par jour. Pour compenser manque ça, dis-moi pas venir à programme de l'eau à assainissement protocole qui divisé en deux. Premier loi gagne la donne, 8 forages qui cabaille 4 000 m3 d'eau par jour. Ça qui baille un total 32 000 m3 d'eau chaque jour. Si vous travaillez sur un horaire 20 heures chaque jour, environ 8,7 millions de gallons d'eau chaque jour. 6 dans le bouquet à 2 dans le panier. Forage par le bouquet, au contraire avec sa panier, grâce à une technique horizontale dirigée qui passait en bas rivière grise à environ 20 mètres de profondeur, sur une distance 14,7 km. L'eau qui sortit dans 8 forages, transitait dans le panier avant d'aller dans la bâche pompage dans Tarba 68. Deuxième loi qui est pour objectif renforcer la capacité de refoulement sorti dans le site captage sous Marianian pour vivre dans le réservoir qui trouvait dans le même espace. Travail ça va permettre de développer 8 nouveaux secteurs en même temps qui bien alimenter Mariani à la zone qui vit en même. Policiers ont parlé, administration en place l'attendait. Dans l'idée pour rendre la police la ville plus performante, plus efficace, plus professionnelle dans le travail, l'administration président Jovenel Moïse là poser diverses actions déjà, tant que projet logement pour policiers, augmentation qui fait sous T4, construction et réparation commissariale, distribution matériel travail, tant que char blindé, motocyclette et machine. Dans le moment côté force police déterminé pour mettre en bas code tout le monde qui a posé mauvaise action dans le pays, côté la traque bandit à kidnapper, administration en place là, campé bon côté PNH là. Pour aider le avancer, et puis accompli mission qui s'est protégée et servie sur tout le territoire national. Dans souci pour bailler mon Nord-Ouest justice, par rapport à toute qualité de discrimination qui a été concibie en bas de l'État central dans le temps passé, côté c'est un département qui n'a pas même gagné un kilomètre route asphalté. Chef l'État, depuis un bon bout de temps, mettait projecteur sur le département Nord-Ouest PIA, surtout sur la route Kafou-Joffre, côté militaire qui n'a pas gagné. Ak technicien TPTC a travaillé sans camper dans divers coins. Travail construction l'hôpital au Fatma, construction centrale électrique qui peut faire mon département nord-ouest et spécialement mon port de paix, sorti dans un courant, les fêtes immatriculées ou bien fêtes fin d'année. Construction et port, travail pour y connecter ensemble quatre communes dans le bas nord-ouest là, travail qui est déjà réalisé dans mon chien. Dans l'idée pour remembrer tête mon, protéger bassin versant, produire fruits pour nous manger, administration président Jovenel Moïse là déjà inauguré 5 centres germoplasmes. Gros installation ça qui a capacité pour chaque produit 4.5 millions de pieds bois chaque année, trouvé dans Mafran Grandance, Lévis dans Sud, Fondenèg dans Nip, Aubin dans Nord-Ouest et quartier Morin dans Nord. Avant président Jovenel Moïse d'arriver sous pouvoir, pays a été un seul centre sémencier dans la Tibonite qui a fonctionné avec ancien système qui pas répondre à exigence temps. Pour qu'on y a chef l'État a déjà mis campé 300 sémenciers tout neuf, avec tout ça a besoin pour fonctionner. Nous avons des eaux à Tibonite, côté ancien TEA, l'autre là dans Torbec, dans Sid, et l'autre dans Février Nord-Est. Barrage qu'a fait sous le vieux Marion, c'est le plus gros chantier administration président Jovenel Moïse. Après Pélig, c'est la première fois l'État a décidé de mettre main dans un travail dans la forme ça pendant la dernière décennie. Ça c'est un barrage moderne qui prend le bail pays à capacité pour gérer 20 millions de mètres cubes d'eau capable de poser 10 000 hectares de terre. Barrage qui a construit sur Vieux Marion pral aider tout dans ce qui est pour élevage poisson, combat inondation, gérer de l'eau qui est en l'été et puis permettre courant arriver dans la zone qui vit en elle. Barrage Marion qui finit à 90% pral rete une plus belle et plus bon investissement de ta jambe fait pendant la dernière année ça. Pour une institution l'État au pied pour voir en place là, décider de mettre un bout dans les affaires moun pa. C'est pour depuis un bon bout de temps, des concours qui mettaient sous pied pour recruter administrateurs, directeurs BAC, jeunes pour bourse d'études et plusieurs leurs postes dans l'État. À côté travail ça qui déjà réalisé, courant qui déjà mettait dans diverses communes dans le pays, a, centrale zone métropolitaine qui en construction, bâtiment tout neuf en bas la ville là, pour voir quelques bureaux d'État et ministère. Président Jovenel Moïse pape suspend le travail. Il déclaré année 2021 année électorale. C'est le principe démocratie qui m'a dit de changer le monde qui a dirigé l'État à travers l'élection.
C'est pour ça, chef l'État a continué pour ne chita parler en toute force vive nation. Dans l'idée, pour éviter pays à tomber dans quatre jours bombés, travail qu'a fait pour proposer peuple à une nouvelle constitution qui reflète la réalité de la vie journée aujourd'hui et qui visait bien-être génération qu'a venir. Cécile qui montrait à clair, président Jovenel Moïse décide de couper fâché avec le système crasé brisé. Vous aller. Mais tracer une route qui chita sous la loi pour que chaque monde apprenne droit à devoir. Comme nous avons une impasse, ça veut dire une crise. Et crise là, il y a une conséquence. Sous le monde qui est responsable, mais sous pays, il y a une crise là, une conséquence qui est plus grave. C'est sous les jeunes. C'est sous les gens qui beaucoup fait. Qui peut aller trouver un autre pays, côté pour y aller à l'école, son dilemme, côté pour y vivre, pour y manger, pour y travailler, son dilemme. Alors, en ce sens, appel par maintenant, c'est justement pour nous réconcilier pays avec pays, il faut que les gens qui sont avant-garde, que dans la politique, au niveau pouvoir, au niveau opposition, ou dans la société civile, faut nous font parler entre nous. Je m'apprécie une prise de conscience. On a le type de comportement qui montre nous plus responsables par rapport à tête, non, par rapport à pays. Il y a un élément de crise là, c'est parce que même les gens qui ne sont pas d'accord avec le pouvoir, je prends par exemple l'international. Mais il est difficile pour identifier un interlocuteur dans l'opposition. Parce qu'il y a une multiplicité d'opposition, il y a une contradiction, il y a une division dans l'opposition. À l'intérieur du pouvoir, qui est censé être cohérent, nous avons une même contradiction. En regardant dernièrement, bon décision qui prend pour déteindre vite machine par une grosse autorité dans le pouvoir, une autre autorité dans le pouvoir contester. Qui fait contradiction dans la société. Qui, c'est ça qui fait polarisation. Ou je ne dis tout partout, je viens dans l'église, dans le parti politique, dans le pouvoir. Et c'est ça la crise. L'ennemi chita parlé. Et pas chita parlé seulement entre pouvoir et opposition, non? Gen chita parlé en dans l'institution, en dans l'église, en dans le parti politique, en dans le pouvoir, en dans l'opposition. Parce que si pas de cohésion dans l'entité, le dialogue là va pas de résultat, non? Si nous voulons renverser perception ça, paquet de contradiction ça, paquet d'addition, multiplication de faiblesse ça, que Haïtien comprenne Haïti, c'est pour nous lier. Et que c'est normal pour nous avoir une différence entre nous. Il faut nous venir de côté, nous entendre. C'est à tous les niveaux qu'on a un effort pour nous faire. Il y a un effort de responsabilité pour que nous adressions ces problèmes de manière raisonnable. Projet Levé Café a été exécuté dans la commune Baptiste, commune Chot et la commune Dondon. C'est un projet qui visait à renforcer la filière café et cacao. Li offre un pile avantage à producteurs d'après coordonnateur projet A, Maxo Duclona. Nous combattons problème environnement et sécurité, problème insécurité alimentaire. Nous disons projet levé café, mais bon portion cacao là-dedans. Parce que le titre là c'est levé café, mais vous voulez dire nous que bon portion, bon quantité cacao là-dedans. C'est comme ça projet A. Il prend le travail sur 2000 hectares pour café et 500 hectares pour cacao. A des formations techniques pour producteur café, extensionniste pour technicien. Le projet ça a duré 5 années, il joint financement à l'Agence française de développement pour un valeur 15 millions d'euros. Ça, d'après un ambassadeur français en Haïti, José Gomez, a permis à l'agriculteur de joindre moyens pour répondre à critères d'exploitation à grande échelle. Nous ne sommes pas résignés. La coopération française veut participer à la relance de ces secteurs qui sont ceux du café et du cacao. Il faut le faire parce que l'agriculture ici représente une partie très importante de la main-d'œuvre en Haïti. Et c'est la principale pourvoyeuse de travail pour les Haïtiens. Donc il faut relancer ces secteurs, d'autant que ces secteurs peuvent rapporter à Haïti beaucoup des devises dont elle a besoin. Ce sont des cultures qui peuvent rapporter de l'argent. Pour le ministre de l'Agriculture, Patrick Sévère, levé café, c'est une opportunité en plus. Le ministère de l'Agriculture offre différents agents dans le secteur. C'est le système agroforestier
constitue une stratégie permettant aux producteurs de diversifier leurs sources de revenus, de garantir une certaine disponibilité alimentaire au niveau des exploitations agricoles. Il joue aussi un rôle capital en matière de gestion conservatoire de l'eau et des sols et du maintien de la fertilité. Projet Levé Café allait dans le même sens avec le projet Planté Avenir, Première Dame République Martine Moïse, lancé dans divers coins du pays. Première Dame nan di li kwen nan valorisation secteur agricole la comme un gros moyen pour développement économique pays a. Ça te fait plaisir en pile. Lèm te apprendre que dans projet Levé Café a, gen 30% femmes capable bénéficier la donne. Levé Café bay fòm yo plas yo. Tout respecter kota 30% jan maman loi pays a mandel. Nous connaît ki jan la vie fòm yo difficile. Donc projet pour aider à résoudre une série de problèmes qui a confronté. Depuis qu'il faut mettre maintenant projet ça, café a pour lever dans tout petit coin dans la commune Baptiste. Avant longtemps, n'a pas pour nous sentir vos changements souffler dans la communauté ça. Dans l'occasion lancement projet Levé Café jeudi 8 avril là, participants ont profité planter une vallée 1500 pieds café à 1000 pieds cacao dans la commune Baptiste. Yon fois encore, pandémie mondiale coronavirus la occupé première place dans célébration Journée mondiale santé a. Année sa activité au déroulé sous thème pour un monde plus juste et en plus bon santé. Yon thème organisation mondiale santé choisi parce que yon réalisé inégalité sociale c'est yon nan 4 plus gros défis dirigeant pays yon doué levé journée jodi a. Deuxième leçon apprise est celle des difficultés à partager. Jamais il y a eux un triomphe scientifique aussi incroyable pour développer des outils diagnostiques, des thérapies et des vaccins pour un temps record. La troisième leçon, déjà apprise, est celle de la place de la santé au cœur de du développement durable. Quatrième leçon, et la dernière leçon à laquelle je vais parler, la crise sanitaire a été révélatrice du niveau de préparation insuffisant. Pour ministre Santé publique, la Dr. Marie Retawa Clément, thème autorité au choisi Anissa, tombé d'aplomb à plaidoirie MSPP a fait, côté exécutif là, doit placer soins santé dans mi-temps toute politique publique. Yo. Nous devons dès aujourd'hui prendre le ferme engagement de placer la santé au cœur de toutes les politiques publiques. Monsieur le Premier ministre, Madame la Première Dame de la République, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers amis, je ne vous apprendrai rien en vous disant qu'en l'absence d'une couverture assurance universelle que nous avons toutes les peines du monde à mettre en œuvre, le paiement direct pour les services est une pratique courante. Ce mode de paiement ne prévient pas les ménages du spectre de dépenses en santé ruineuses, alors que le PIB se réduit chaque jour davantage et que très peu de familles ont accès à une assurance médicale. Malgré ravage, pandémie, coronavirus la fait dans pile pays sous la terre, Haïti était une d'un côté qui gagne un petit crasse monde qui touchait. Grâce à un ensemble de dispositions autorités au Tépran depuis bien bonnet. Première Dame République Martine Moïse citait diverses autres maladies qui représentaient gros menaces pour la population. Le président de la République, son Excellence M. Jovenel Moïse et son administration, ainsi que le Premier ministre, M. Joseph Jout et son gouvernement, continueront sans relâche à accompagner tous les secteurs vitaux de la nation dans leurs efforts de contrôle strict de la propagation de la circulation du virus dans notre pays. Dans le même temps, il nous faudra redoubler de vigilance pour contenir les autres maladies qui affectent la population haïtienne, telles que la malaria, le VIH-Sida et la tuberculose, pour lesquelles mon statut de président de CCM me porte à lutter au quotidien pour soutenir les efforts du MSPP et de ses partenaires en vue de parvenir à les maintenir sous contrôle afin de diminuer le nombre de victimes. Mesdames et Messieurs, à l'occasion du 7 avril,
C'est ce même combat que je vous invite à mener pour que le taux de mortalité maternelle, le nombre d'enfants souffrant de malnutrition protéino-calorique, le nombre d'enfants naissants avec le virus du sida, le nombre de tuberculose en co-infection et multirésistance, et le nombre de personnes ayant attrapé la malaria, pour ne citer que ces pathologies-là, sont ramenées à des proportions moindres. Ministère Santé publique honoré pendant l'activité ça, yon vingtaine personnalités pour contribution yon dans la lutte contre coronavirus là en Haïti. Pour arriver journée jeudi, la pandémie ça a touché environ 130 millions de monde et puis touye plus passé 3 millions de monde d'après l'Organisation mondiale de la santé. Renforcer capacité collectivité territoriale, augmenter recette, faciliter l'intégration association femmes, jeunes et monde handicapé. Dans le cadre de politique publique, c'est objectif en deux journées atelier travail ça. Le projet géré apporte présentement son appui également aux collectivités territoriales, en particulier à sept communes cibles, dont Cap-Haïtien, Pillon et Saint-Raphaël dans le nord, Caracol et Wanamette dans le nord-est, Carrefour et Tabar dans le département de l'ouest. Cet appui concerne spécifiquement le renforcement des capacités administratives et fonctionnelles de ces communes, la mobilisation fiscale en vue d'augmenter leurs recettes, la participation citoyenne dans le processus budgétaire, la définition des priorités communales de développement, l'amélioration de la fourniture et l'accessibilité des services à toute la population en prenant en compte les besoins spécifiques des groupes marginalisés et vulnérables, en particulier les femmes, les jeunes, les personnes handicapées et à mobilité réduite, ainsi que d'autres groupes discriminés dans le pays. Responsable projet d'appui et gestion efficace pour ressources l'État, Udé Antoine, explique que ces réflexions visent à prendre en considération les gens qui vivent avec un handicap physique dans l'intégré dans le secteur éducation, santé et agriculture. Les personnes handicapées et à mobilité réduite représente environ 10% de la population, surtout après le tremblement de terre meurtrier du 12 janvier 2010. Tout comme les femmes et les jeunes, elles réclament également leur intégration et demandent d'être traitées en tant qu'êtres humains à part entière. L'USAID, dans ses différents projets en Haïti, encourage dans leurs interventions la prise en compte du genre, de l'équité et de l'inclusion sociale, notamment dans les secteurs de la santé, l'éducation et l'agriculture. Dans cette logique, le projet Géré a donc fait de l'approche genre, équité et inclusion sociale une composante stratégique et transversale à tous ses objectifs et résultats, ainsi qu'à toutes ses activités de renforcement des capacités des institutions du gouvernement et des communes cibles du projet. Projet d'appui gestion efficace pour ressources l'État, Géré, lancé dans la date 3 décembre 2019, les jeunes financements USAID, objectif Géré, c'est accompagner les collectivités dans mobiliser ressources pour améliorer les services. Parler de genre, équité et inclusion sociale n'est pas un simple discours. C'est toute une évidence puisque ces catégories sociales existent et vivent leur vie difficilement dans notre société. Dans une large mesure, les chiffres en parlent sur l'existence de ces catégories. Les femmes représentent 52% de notre population. Pourtant, elles sont sous-représentées dans les espaces de décision. Ont peu d'accès aux ressources et les services répondent à leurs besoins spécifiques. Les jeunes représentent environ 22,7% de la population haïtienne, se situant entre 15 et 24 ans et plus, ceci tant dans le milieu urbain que rural. Ils réclament sans cesse leur intégration à tous les niveaux de la vie nationale. Les personnes handicapées et à mobilité réduite représentent environ 10% de la population, surtout après le tremblement de terre meurtrier du 12 janvier 2010. Tout comme les femmes et les jeunes, elles réclament également leur intégration et demandent d'être traitées en tant qu'êtres humains à part entière. L'USAID, dans ses différents projets en Haïti, encourage dans leurs interventions la prise en compte du genre, de l'équité et de l'inclusion sociale
notamment dans les secteurs de la santé, l'éducation et l'agriculture. Dans cette logique, le projet GIRÉ a donc fait de l'approche genre, équité et inclusion sociale une composante stratégique et transversale à tous ses objectifs et résultats, ainsi qu'à toutes ses activités de renforcement des capacités des institutions du gouvernement et des communes cibles du projet. C'est dans ce contexte que se situe l'organisation de cet atelier sur le genre, l'équité et l'inclusion sociale au profit des homologues du gouvernement central. Distingués invités, mesdames, messieurs, le projet GIRÉ remercie les homologues du gouvernement central qui ont manifesté leur intérêt pour la thématique de cet atelier, en particulier le ministre de l'Environnement ici présent, en désignant des cadres techniques à prendre part aux deux jours des travaux. Votre présence et participation témoignent de la volonté de l'État haïtien à travers son gouvernement de considérer dans son agenda des politiques publiques et actions gouvernementales l'amélioration des conditions de vie des femmes, des jeunes, des personnes handicapées et à mobilité réduite. En effet, la tenue de cet atelier est d'une grande portée pour l'État haïtien de par ses engagements internationaux en faveur de ces catégories, notamment la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est applicable aux jeunes également, la Convention relative aux droits des personnes handicapées et son protocole facultatif, l'Agenda 2030 et les objectifs de développement durable, ODD, dont 6 des 17 objectifs visent à agir sur les inégalités de genre, à promouvoir l'équité et l'inclusion sociale. En déorganisation des élections, nous avons acte référendum, nous avons CEPA qui est instance principale qui est responsable de l'organisation. CEPA lui-même l'a continué à faire travail. Aujourd'hui, il y a des notes, il y a des communiqués qui sont sortis sur le site CEPA. Mais comme information, c'est que, un, premier COP qui peut être bail, qui peut permettre l'élection faite, le gouvernement haïtien lui décaissé, Montassayo, un bon budget. Que CEPA lui-même était soumettre là. CEPA, nous avons dit aujourd'hui, à partir de l'information que nous disposons, que pour tout bureau électoral, départemental et communal, n'a pas parlé de 11 départements électoraux. Ça veut dire que l'Ouest 1, l'Ouest 2, puisque le département de l'Ouest est divisé en deux, et qui ont 11 départements électoraux, et sous 151 communes électorales, CEPA a recruté à peu près 470 personnes sous concours, côté de 3 personnes par bureau, ils ont sélectionné et ont même commencé à installer pour que les gens commencent à travailler. Et il y a une formation qui est déjà faite dans un pile côté pour que les gens capables de faire travail élection. Ça, c'est le premier bail. Sous question, nous sommes capables de et avancer dans l'élection. Nous connaissons que il faut qu'il y ait espace, un bureau, il faut qu'il y ait évaluation. Bagaille, ça y est en cours. Et CEPA lui-même tout, il continue à faire travail ça où pour avancer dans le processus électoral là, selon le calendrier électoral. L'autre question qui gagne, c'est matériel qui pour faire élection. Pour faire élection, nous connaissons qu'il y a des matériels que nous connaissons. Il faut avoir une, il faut avoir un marqueur de bagages comme ça, il faut que vous commandez le matériel non sensible. Bagages ça vous commandez, selon CEPA, d'ici peut-être début mois de mai, matériel ça vous a bien en Haïti. Parce que ce système des Nations Unies, PNUD a une OPS, qui a assistance technique et logistique à CEPA, qui accompagne le cadre de travail. Ça. Et sous question matériel sensible, on a parlé de bulletin de vote, de bagages comme ça, et bien CEPA tout, pour et bagages pour commencer à faire, pour que, à temps, matériel ça va arriver dans le pays, hein, pour que l'élection soit faite comme ça doit. C'est pour nous expliquer que, je dis, il y a des avancées importantes qui ont faites. Je dis, au niveau gouvernement, nous prenons des dispositions pour que avancer ça soit fait. Maintenant, il y a une élection qui est faite, il y a un référendum qui est fait. Maintenant, nous avons la démocratie. La démocratie veut dire, il y a un monde qui pour, il y a un monde qui contre. Et c'est ça qui est dans le référendum, il y a un monde qui peut voter pour,
y a qui pour voter contre. Si en dedans référendum la majorité monde dit pas la constitution ça, élection a toujours fait mais l'a fait sous constitution actuelle. Si majorité monde dit ouvre les nouvelles constitution, eh bien élection a fait sous nouvelle constitution. Maintenant, élection pour conclure, c'est instrument pour que le peuple a choisi monde qui doit diriger. Il faut qu'il y ait élu qui remplace élu, il faut qu'il y ait élection qui vous permette nous peuple là avec bulletin de vote li, c'est pouvoir ça gagner pour décider qui est qui pour diriger et c'est une élection n'a fait toute disposition pour que élection selon calendrier électoral qui va y avoir CFPA le 19 septembre pour que premier tour élection générale yo fait dans pays. Nous avons environ 3 millions de monde que c'est pas seulement haïtiens qui vivent en Haïti mais la diaspora. Donc au niveau diaspora, on a dit son grande première et que les affaires d'identification tournent en réalité, côté mission diplomatique ont déjà commencé à recevoir appareil l'ONU. Nous avons pays ces domaines avec les États-Unis. Par exemple, nous avons 7 missions diplomatiques en République aux États-Unis et 5 missions diplomatiques ces domaines. Et nous avons dit, les gens qui sont dans les pays d'Amérique latine, Chili, Argentine, Brésil, et pays dans les Caraïbes, là, en Europe, en Asie, en Afrique, nous connaissons avec affaires pandémie corona ça, nous connaissons des pays qui ferment. Par exemple, Canada, la France, et des pays comme le Brésil qui sont 4000 morts là. Donc, il y a pile mesures qui prend. Donc, nous fait des gens, les citoyens qui vivent, diaspora qui vivent, la zone ça, que appareil l'ONU arrive, mais formation, nous connaissons fort, nous avons opérateur l'ONU pour aller pour faire formation pour nous. Donc, nous disons, on a privé sur eux. Mais il faut nous respecter les mesures protocolaires sanitaires. Donc, à n'importe quel moment, depuis les mesures levées, nous avons venu en aide avec Mounsayo. Nous avons une autorisation dans l'ONU pour agents ONU, opérateurs ONU, pour être capable de remplir le formulaire mère et père pour travailler avec l'État civil, pour nous assurer que nous avons gagné acte de naissance. Parce qu'en pile fois, nous arrivons à côté, nous n'avons pas gagné acte de naissance, donc nous ne sommes pas capables d'enregistrer. Parce que d'après la loi, la Constitution en dit, ces pièces ont besoin pour faire justement pour gagner un code d'identification nationale. Donc, nous travaillons avec le ministère de la Justice, là, avec l'État civil, pour nous assurer que ça va être fait. Donc, nous déjà gagné un formulaire nommé agent ONU. Côté de travail avec l'État civil, pour nous capables de remplir le formulaire pour tout gagner acte de naissance là, et puis pour nous capables d'enregistrer pour capable gagner acte de naissance et code d'identification nationale là. Ça très important surtout dans le côté qui est plus régulier, côté moun yo pas gagner acte de naissance donc nous pas capable bayo un code d'identification. Nous créons un système qui pas exclu personne. Pas vrai? Nous mettez trois biométriques ministre qui font ça t'a parlé. Nous choisi trois biométriques ça parce que et c'est ça qui est plus avancé de Yora. Mais il permet de ne pas exclure aucun citoyen. Parce que au monde qui a eu un accident, il perd du tout de points, il a toujours enregistré parce que je suis facile là, je suis un risque. Au monde qui est aveugle, il n'a pas un risque, il a toujours un facial là. Donc, il a toujours gagné une biométrique que je suis capable d'utiliser pour positivement, uniquement, identifier. Donc, ça, et c'est ça. Il me fait plaisir parce que c'est la première fois que je suis capable de dire tout le monde est capable d'aller exercer le droit lorsque il y a une élection et il est capable d'aller exercer le droit la banque avec tout l'autre côté que vous pouvez régler l'affaire. Nous avons été un call center. Boudon, lorsque nous avons établi Boudon, c'était dans la façade de un call center qui a 30 employés qui ont pris les gens qui disent mais quand ça va dans le même temps, viens chercher le. Pour venir chercher le boudon. Je n'ai jamais été par instruction pour te faire 4 boudons. Donc, lorsque vous avez le boudon, vous venez vous faire 4 là, il est péché l'autre monde pour joindre ça que vous avez cherché. Donc, c'est l'optique ça que vous avez mis en place là, boudon. Donc, nous venons créer 4-8-22 depuis le call center boudon. Kounia, c'est notre bureau central que nous avons, parce que boudon, vous avez mis du feu là-dedans. Donc, Kounia, nous notre bureau central, m'a additionné l'autre service. Mardou hier, par exemple, nous recevons tellement de pile appel que nous ne sommes pas capables de joindre un opérateur qui peut répondre tout de suite. Donc,
nous avons toujours pensé de stratégie qui vont nous aider pour nous capables de jouer, papa. Donc hier, nous commençons au service dans 88-22. Quand on a un choix, on dit peser un si vous voulez parler avec un agent, ou bien peser deux si vous besoin chercher quatre là. Donc si c'est quatre là, on cherche, on va juste peser deux, on suit l'instruction, on met le numéro de téléphone, et puis là, on dit, mais qui côté quatre là? Ou pas même besoin de parler avec aucun monde. Donc nous venons pile d'appels comme ça, en pile rendement sous ça, depuis que nous avons commencé. En semaine ça, nous gagnons un flux du sud-ouest, qui lui-même cap advecté de l'air humide sous Jean-Noël, sous majorité région Caraïbes vers le sud-ouest. Par exemple, nous gagnons zone Jamaïque et puis nous gagnons Haïti, flux sale qui transportait humidisation séparatoire avec une situation qui trouvait sous Amérique centrale là. Et là, dans les situations, ça c'est parce que nous gagnons zone de basse pression qui trouvait ici, qui a pas. Alors, zone de basse pression qui ici sous Amérique centrale, là, qui a advecté de l'air humide sous majorité région, non seulement sous Amérique centrale, mais aussi sur Haïti. Dans ce sens, nous avons une situation qui très nuageuse sous le pays d'Haïti, avec activité la vie qui prévoit non seulement jeudi à demain, avec activité au KBC à partir de demain, et une amélioration graduelle à partir de samedi. Mais je dis, on nous prévoit en pile activité sous pays d'Haïti, surtout sous région sud pays d'Haïti, département de la Crenasse, du sud, du sud-est, des Nib et de l'ouest, ces zones qui sont concernées par activité sérieux. Et par rapport avec activité l'API qui tombait en semaine dernière, et par rapport avec sol là qui saturé sous pays d'Haïti, a gagné avis d'inondation sous pays d'Haïti, surtout vers la région sud, donc la région sud, nous parlons du département de la Grandance, du sud, sud-est et des Nib, et à la rigueur département de l'ouest, et surtout zone ici, vers Akin, vers la ville des Cailles. Il faut nous faire en pile attention parce qu'en pile la pluie va vous tomber aujourd'hui sous zone taille. La semaine dernière, il y a un département qui était inondé par rapport avec fond, mais par rapport avec jeudi, c'est l'activité la pluie que nous prévoyons qui est capable de causer inondation sous zone taille par rapport avec sol là qui est déjà saturé avec de l'eau. Et ça vient faire que nous avons une situation côté. La pluie continue de tomber sous pays à capable d'inondation. Nous sommes dans la zone inondable, c'est toujours mettre en pratique un conseil de sécurité que direction protection civile baille sous PIA et dans ce sens-là, il faut que vous ne pas traverser les rivières qui descendent sur aucun prétexte. Il faut que vous ne pas rester en bas pied bois lors des orages. Il faut que vous mettez à l'abri tout ça comme pièce qui est importante. Il faut que vous évitez de rentrer dans l'eau. Surtout avec machine pour ne pas boter. C'est effectivement toute consigne de sécurité, direction protection civile, les mêmes libérales, les mettez sous PIA par rapport avec zone Sahel qui a des possibilités pour être capable d'inonder à partir de jeudi par rapport avec l'activité la vie que nous avons. Ça ne peut pas être susceptible pour zone Sahel inonder par rapport avec non seulement sur le lac saturé, mais aussi quatre c'est la vie que nous devons voir sous. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous abonner avec chaîne et toujours songer pour activer cette cloche là. Les nous la vidéo pour capable joindre nous, son babes à chercher pour. D'accord. Eh bien, passons une agréable journée tout le monde. Une agréable soirée si c'est matin. Bon matin.